Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vous présente un mini-album que j'ai confectionné sur le thème de l'automne. Alors, j'ai utilisé les papiers à motifs tant frisqués que vous trouverez dans le mini-catalogue des fêtes. Vous allez avoir besoin de deux papiers à motifs que vous allez couper en pièces de 6 pouces par 8 pouces. Alors, vous allez avoir chacun de ces deux papiers à motifs-là, vous va vous donner deux pièces. Alors, vous allez avoir 4 pièces qui vont constituer, je dirais, la devanture et la dernière page de votre mini-album. Avec votre papier à motif, vous vient un carton très résistant. Vous allez le couper en 6 pouces par 8 pouces et vous allez l'utiliser pour faire l'armature de votre album. Avec de la colle liquide Tombow, vous allez venir bien adhérer vos plateformes, je dirais, des deux côtés. Alors, c'est à ça que servent les 4 papiers à motifs que vous avez coupés précédemment. Assurez-vous de coller vraiment jusqu'au coin de vos papiers à motifs parce que ça va être ce qui va être le plus manipulé. L'idéal, c'est vraiment la colle Tombow. C'est celle qui permet, je dirais, de résister au temps et aux manipulations. Alors, vous enlevez l'excédent de colle qui peut ressortir sur les côtés quand vous aplanissez vos papiers à motifs et vous êtes sûr que tout va tenir avec le temps. Pour l'intérieur, j'ai utilisé une partie du kit de table reconnaissance. C'est pour faire théoriquement, je dirais, des porte-serviettes pour des décorations de table, mais je l'ai utilisé pour faire mon mini-album. Alors, avec mon rainureur, je suis venue rainurer pour venir plier le revers de mes petites enveloppes à 7 pouces et demi, 8 pouces, pour que ça rentre à l'intérieur de mon album de 8 pouces. Alors, moi, je l'ai fait à 8 pouces, mais vous pourriez décider de le faire à 7 pouces, à 7 pouces et demi. C'est vraiment vous qui décidez. Encore là, j'ai utilisé la colle Tombow sur le coin de ma pochette. Les pochettes sont pré-coupées, pré-rainurées. C'est très, très facile à assembler. Alors, je viens mettre un petit peu de colle et c'est ce qui va me permettre de coller mes pochettes et surtout d'avoir, je dirais, deux pochettes. Une à l'endos et une à l'envers de chacune de vos pochettes. J'ai placé plusieurs photos. Il y en a que j'ai mis sur les pochettes, il y en a que j'ai mis à l'intérieur des pochettes, j'en ai que j'ai mis entre les pochettes avec des papiers à motifs, avec ce qui était fourni dans l'ensemble de paysages. Il y avait du papier ligné, alors je l'ai utilisé. J'ai fait des pochettes avec des revers plus grands où je suis venue coller une photo sur le grand revers qui a environ 3 pouces de largeur et je suis venue coller l'excédent parce que, bon, vu que c'est le coin est arrondi, je l'ai collé à la main, mais je suis venue insérer des photos un peu partout pour venir créer mon album. Et là, il n'y a personne qui va avoir le même album. Ça dépend du nombre de photos horizontales, du nombre de photos verticales et je dirais même du nombre de photos totales. Si vous en avez trop, vous pouvez même venir vous créer, comme moi, des mini-livrets à l'intérieur même de votre mini-album. Vous pouvez relier votre album avec de la tubulure en allant à un centre de bureautique, ou vous pouvez le relier simplement avec des gros anneaux que vous achetez dans une boutique du dollar. Avec le reste de mes papiers à motifs, le reste de mes kits reconnaissants, j'avais du faux bois, j'avais des feuilles déjà prédécoupées, je me suis acheté du washi tape qui était assorti au papier à motifs, je suis venue décorer mon mini-album. Alors, c'est simplement du coupage et du collage de papier à motifs. J'ai ajouté du fil de lin, des boutons, et j'avais tout ce qu'il me fallait pour décorer mon mini-album automnal. Si vous avez des questions sur ce mini-album ou tout autre projet que j'ai confectionné dans les dernières semaines, vous pouvez me rejoindre sur carterieartisanale.com.